tous des rêves, mais il faut les aider, se battre. Il faut aller se battre, et quand on fait mal, mais c'est quand ça prend un peu de vérité. Tu
tout raté. Savant de toute la République démocratique du Congo, Eddy Malou, EDDY-MALOU.
êtes des poussis. En cas où tu n'aurais pas compris, on est Wallifornians. Et comme t'en as rêvé toute ta vie, je te montre ma porte. Merci à tous d'être là pour la grande édition du Metal Corporation. Il y a des putains de groupes avec nous ce soir. On en parlera après. En attendant, en attendant, c'est laquelle maintenant? Allez, vive à la Belgique, fils de chien. Allez, buvez une cric, bande de con. Nous avons reçu ce matin un mot. Allez, on sort. C'est l'oracle qui nous demande pourquoi on met les cerises cric dans la cric Bellevue. Ben, je vais te répondre. C'est pourtant simple comme mon jeu. C'est son anniversaire. Bon anniversaire! Portez-moi cet enculé pendant le prochain morceau. T'es merde, t'es le fils! Ah ouais, prochain morceau. Y'a pas de basse, c'est pas grave, il sert à rien. Allez, on chante avec moi. Y'a pas de basse, c'est pas grave, il sert à rien. Eh, venez un peu plus près là, vous avez peur ou quoi? Rosso vous fait peur? Vous avez peur de Rosso? Alors faites du putain de bruit que vous n'avez pas peur de Rosso! Quoi? On se fait une jam? On se fait une jam en attendant? Ah oui! Allez, danser avec nous! Allez, hop! Hop! Thank you.
Oh. Et là, mon cher. Dans 10 ans, cette petite gare se sera vite comme ça. Oh. Je ris qu'on a plus de voir. C'est incroyable. Ah non, c'est rien encore. Attends, on a encore eu un peu de mal. Là pour nous et vous nous vendez la charge facile. Merci à vous. Allez, un morceau érotique. Dark Side of the Vulve. Ah, ça va bien. Dark Side of the Vulve. Non. Ah si. Ah oui. Ah oui, pardon, je vais tomber. Plein attention pour Donette, une nouvelle. Allez, une nouvelle, on y va. Salut. Aujourd'hui n'est pas du tout une journée ordinaire. Vite, ça vous dirait d'aller faire un petit tour dans le Madagascar? Qu'est-ce que c'est? Ah, allez. Vous allez voir, hein, c'est hyper nickel qui gagne la glace. Allez, allez.
Hey, vous aimez bien les jeux, je crois. Les jeux? C'est quoi la suivante là? Oh! C'est quoi? La boîte! Oh, déjà? Est-ce que vous aimez le ping-pong? Le ping-pong, c'est un chiffre! Mais un peu plus près, parce que si vous aimez bien le ping-pong, ça va vous parler. Genre, ça le flèche, ma gueule. Allez, on y va. Comme ça, toi. Comment peux-tu venir comme ça? Parce que mes parents jouaient tous les deux. Donc voilà, mon père il a été deuxième joueur belge en 71, ma mère elle a été la championne de Belgique double dame B en 69 qui était enceinte de moi. Et mon premier titre a été très féminin. Ah oui, si je n'avais pas fait du tennis d'état, ben, j'aurais été numéro 1 mondial au tennis, j'aurais gagné 5 fois tour en France. Ah,
Parce que sans lui, California The Generation, ça n'existe pas. Alors faites du bruit pour le grand acteur. C'est lui qui fait chier à faire tous les samples. C'est lui, grâce à lui que ça existe. Bon, maintenant c'est un enculé de chômeur qui pique toute derrière. Mais faites du bruit pour lui. Il est bon au chômage, putain. Tu viens de buter en étudiant là. C'est juste ma piste. Allez, on y va. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de l'Institut des radiotélévisions de la diffusion sur notre royaume de Belgique. Vous allez assister à le programme de la soirée. Tout de suite, une émission destinée à la jeunesse. Bonjour les petits, avec le gros ours poule. Vous allez dire Gottfeld Dommel. Gottfeld Dommel. Allez, on fait un test. Gottfeld Dommel.
Ta gueule, attends, au moins crie, imbécile. Putain, vous êtes assis. Encore une fois. Ok, juste après, vous foutez le bordel, ok. Benjamin Archit. Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important, en clair. La Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées, excusez-moi. Voilà, on me confirme d'ailleurs à l'instant par téléphone que des événements de la plus haute importance se déroulent. Vous allez retrouver tout de suite en direct Frédéric, aux abords du Palais Royal, en plein cœur de Bruxelles. Frédéric, que se passe-t-il pour l'instant? Non, je suis pas ta mère.
Chien.